Bonjour. À partir de cette photo prise dans les Alpilles, nous allons faire une aquarelle qui va traiter du printemps, d'un paysage printanier et fleuri, contrasté par des cyprès assez sombres. Nous allons donc commencer par mettre du bleu outre-mer et du violet dans le ciel et en fait faire un fondu entre la végétation et le ciel. Je fais attention à ne pas déborder sur la maison. Et je vais veiller tout au long de cette démonstration à ce que les baignoires ne se forment pas avec deux bandes. C'est pour ça que je penche mon papier de temps en temps pour mieux répartir les pigments. Je repigmente toujours avec du bleu outre-mer, du violet, un peu de green gold. Et j'attaque un peu le bas, dans lequel je mets un peu de jaune de Naples et de green gold très dilué. J'en profite pour faire les façades de la maison avec un peu de jaune de Naples, de terre de sienne brûlée diluée. Fréquemment, je penche ma feuille pour ne pas qu'il y ait de baignoire qui se forme. Je place des touches de vert olive et progressivement je vais placer les zones d'herbe et les endroits où je vais mettre du fleurissement. Alors ce fleurissement, ça peut être des lauriers ou des arbres de Judée ou des Je mets du green gold, du vert brillant et je laisse volontairement quelques blancs dans les zones que je vais travailler. Je mets un peu de bleu, bleu cobalt, vert de cobalt pour avoir des tonalités de vert différentes. Un peu de bleu violet par endroit. Quand le bleu est trop fort, je mets un peu de vert de périlène dessus. Je vais commencer à placer des zones de cyprès beaucoup plus sombres et pour cela je vais mettre du vert de périlène mélangé à du bleu indigo ou du vert olive. Si je mets que du vert de périlène, c'est une couleur un peu trop sombre, un peu trop terne en séchant. C'est pour ça qu'il faut l'enrichir avec un autre pigment. Puisque le papier est mouillé, forcément les pigments vont être en voyage et donc je vais sans cesse revenir dessus pour équilibrer la diffusion de mes couleurs dans l'arrière-plan. Tout au long du séchage, je reviens en arrière-plan, je reviens dans le premier plan et j'essaye d'équilibrer mes masses de feuillage. Je repigmente un peu à gauche de la maison avec des pointes de rouge et de orange de Chine pour que le rose ne soit pas trop seul. Tout au long de l'avancée de l'aquarelle, je repigmente quand il le faut avec du bleu outre-mer, du vert de périlène, du vert de vessie parfois. Et je n'hésite pas à mettre un petit peu de sel de temps en temps pour avoir quelques éclats de lumière. Jamais trop de sel. Je vais prendre un pinceau plus fin et plus raide pour revenir avec davantage de détails et de touches plus précises. Ce pinceau va me servir à donner plus de dynamisme à l'ensemble.
Avec ce petit pinceau, je peux rajouter des petites touches en détail plus dans le sec. Je peux aussi déposer des gouttes d'eau claire à certains endroits pour redonner de la lumière aux zones du sujet. Je vais placer une petite ombre portée de la maison sur la deuxième maison. Et je vais foncer un tout petit peu la façade avec un mélange de caput mortuum et de terre de sienne brûlée très diluée. Je retravaille légèrement les cyprès pour qu'ils soient beaucoup plus présents, qu'ils sortent un peu du flou, toujours avec les mêmes couleurs que tout à l'heure. Et à certains endroits, je vais contraster des zones pour faire ressortir la lumière et donner davantage de contraste entre les foncés et les clairs. J'ouvre quelques blancs avec la pointe du pinceau pour suggérer quelques branches claires qui apparaissent dans le fond plutôt vert foncé. Je place toujours avec la pointe du pinceau quelques branches avec un mélange de gris de pêne, de vert et de marron terre d'ombre. Les branches ne sont jamais marron, elles sont toujours mélangées. Avec une autre couleur bleue, en général gris. Je remets un peu de sel aux endroits où c'est encore humide. J'ouvre quelques blancs. Je rentre davantage dans les détails des branches. Et je vais placer quelques lignes de tuiles sur les toits des maisons. Avec un mélange de terre de sienne brûlée, un peu de rouge de Venise dilué. Je renforce le dessous des tuiles avec un peu de gris caput mortuum. Et j'essaye de faire un petit dégradé entre le dessous du toit et la façade. Je réinsiste sur les contrastes pour qu'il y ait des zones moins incohérentes. J'ai placé pour finir la fenêtre avec des petits détails et ensuite l'aquarelle est terminée.